before you even wake up. News 4 Today is working for you. How the weather will affect your plans for the next few hours, even the next 10 days. And what you need to know to get ready for your day, no matter how it looks. Where you need to go, how you're gonna get there. The stories you need to know for the day. And showing you great things happening in our community. Whenever you're ready to start your morning, we'll be ready for you. News 4 Today is working for you. Vous écoutez RMC. RMC Bonjour. C'est déjà demain. 5h52. Bon réveil à l'écoute d'RMC. Hors de question de vous laisser dormir. Vous vous réveillez avec nous le matin. Bonjour Anthony Morel. Bonjour à Salut tous. Anthony. Alors que se cache-t-il sous ta couette? Non, dis donc, t'attaques fort. Si, il a raison. Je lis, hein. Anthony, aujourd'hui, vous nous invitez sous votre couette. Oui, ou je m'invite sous la vôtre. Après, on peut faire ça dans les deux sens. Regarde-le un peu comme il est, ouais, dans les deux sens. C'est vrai qu'il y a du stress, des cycles perturbés, des insomnies pour certains. Les lits du futur vont tout changer. Ils vont nous aider à mieux dormir. Ouais, c'est ça. Bah, l'intelligence artificielle s'invite partout, même sous la couette. Alors, il y a même tout un pan de la technologie qu'on appelle la sleep tech. La technologie. La sleep tech. S-L-E-E-P, comme on dort en anglais, pas la sleep. Voilà, vous avez bien compris. Dans les deux sens. Dans les deux sens, ça fonctionne. Mais enfin, en tout cas, oui, il y a plein de start-up d'innovation. Et notamment, alors, 8Sleep, par exemple, qui est une start-up très en vue de la Silicon Valley, qui a mis au point ce qu'on pourrait appeler la Rolls du lit. C'est un lit qui va nous chouchouter, qui va nous aider à mieux dormir, qui va même s'occuper que de notre dormir santé. Ah bah il fait tout. Alors, tu as des options après. Alors c'est un matelas qui est bardé de capteurs électroniques qui sont couplés à des algorithmes qui vont analyser en temps réel la température, la respiration, les battements du cœur, des facteurs comme la luminosité, la chaleur aussi. Et à partir de tout ça, il va te donner des conseils pour mieux dormir. Le matin quand tu te réveilles, il va te faire un petit compte rendu de ta nuit de sommeil. Il va te réveiller pile au bon moment. Si tu mets le réveil à 7h par exemple, bah peut-être qu'il va te réveiller à 7h moins 1 ou 7h moins 2, là où t'es pas dans un cycle de sommeil selon profond. Ton activité de la nuit. Selon ton activité de la nuit, selon ton niveau de fatigue, le réveil va sonner très tard. Exactement, t'as bien compris comment ça fonctionnait. Il va aussi se rafraîchir ou se réchauffer en fonction de tes besoins, de ta frilosité. Et ça va pas être la même température côté gauche, là où tu dors, ou côté droit, là où dort ta moitié. Ah oui. Eh oui, parce qu'on n'a pas tous forcément les mêmes besoins. Donc voilà, il va prendre en compte tout un tas de facteurs. Et à terme, alors pour l'instant, c'est encore hypothétique, mais ils veulent même ajouter des capteurs médicaux qui seront capables, eh bien, par exemple, de détecter les signes précoces de la grippe ou même de calculs rénaux, tu vois, de certains symptômes de certaines maladies. Donc, le lit te dira, attention, on va voir le médecin. Tu imagines, là, ça va quand même assez loin. Il y a de plus en plus d'entreprises, hein, qui s'intéressent à ça, à notre sommeil, à notre bien-être. Après l'iPhone et l'iPad, Apple travaille peut-être aussi sur une e-couette. Oui, c'est ça, ou une e-couette ou un iDra, je sais pas comment on le dirait. Alors, pour être tout à fait transparent, ils ont pour l'instant déposé des brevets. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont sortir ça commercialement. Moi, je serais très étonné s'ils sortaient vraiment un lit. Mais en tout cas, ils réfléchissent à des technologies pour notre sommeil. Là encore, des lits qui vont être capables d'analyser tout un tas de capteurs. Après, est-ce qu'on a vraiment envie que tous les géants de la tech américains aient des capteurs dans nos lits pour analyser notre sommeil? Tu retires tout, tu retires ta montre connectée, tout ça. Comme ça, on en sait un peu plus, hein, sur les nuits d'Anaïs Castagna. Bon, tu reviendras nous en parler, Anthony, parce qu'il y a un truc que j'achète, moi, le lit qui se fait tout seul. Ça existe, on en reparlera. Mais je referai un petit truc sur le lit qui se fait tout seul. Before you even wake up, News 4 Today is working for you. How the weather will affect your plans for the next few hours, even the next 10 days. And what you need to know to get ready for your day, no matter how it looks. Where you need to go, how you're gonna get there. The stories you need to know for the day. And showing you great things happening in our community. Whenever you're ready to start your morning, we'll be ready for you. News 4 Today is working for you.